Salut à tous, salut les amis de la route, européenne, puisqu'on est sur Road Truck Simulator 2. On va se retrouver pour un nouvel épisode pour, je pense, la fin de la compétition garage hein, qu'on a lancée il y a de ça quelques semaines. Et puis bien entendu, bah, une compétition, je pense que pour la gagner, il faudrait que je sois tout seul. Mais malheureusement, je suis pas tout seul et j'ai le pro de la compétition qui gagne tout, hein, bien entendu, c'est Monsieur Marcus. Salut Marcus. Bonjour à tout le monde, bonjour aux amis de la compétition. Effectivement, c'est reparti pour la victoire de Monsieur Carpat, je crois que tu es en tête des sous. Car tu as effectivement pris plusieurs cargaisons qui valaient plus d'argent. Et effectivement, comme on en parlait dans la dernière vidéo, les revenus d'une mission, c'est du net calculé. Toutes les listes sont calculées déjà d'avance. Je pensais que non, je sais pas pourquoi d'ailleurs, complètement bêtement, je pensais que c'est du prix brut. C'est quand même bizarre, mon cher Marcus, parce que c'est pas comme si tu avais joué 4596 heures. J'avoue, mais je n'ai jamais fait attention et je me suis mis dans la tête que c'était du brut. Pour qu'ils aient affiché des prix pour tout le monde, puis après ils calculaient les lignes, je sais pas pourquoi, pour pas chercher. Ah, yeah, j'ai mis un point bonus de passage de niveau, et effectivement, il m'a augmenté de 300 euros ma revenu. Effectivement. Ouais, Marcus a basculé du côté du patronat, il parle en brut maintenant. Ouais, exactement. je parle en hors-taxe, monsieur, exactement. Bon, allez, en tout cas, je pense que ce sera, comme je vous le disais, notre dernier épisode sur cette compétition de l'objectif garage. Normalement, l'un ou l'autre, on devrait pouvoir finir et augmenter ce garage clermontois, hein, puisqu'on rappelle qu'on est parti de Clermont-Ferrand. Donc, on est quasiment prêt à démarrer. On s'était un petit peu arrêté. Alors, on va pas mettre de chrono hein, aujourd'hui, puisqu'on va finaliser. Ouais, il n'y a pas besoin. Ouais, on va finaliser ce dernier épisode. Donc, je pense qu'il devrait pas y en avoir besoin. Alors, on a normalement chacun déjà un petit chargement qui est prêt. Voilà, attendre que Marcus finisse de charger. Il est temps d'aller travailler. Voilà, c'est chargé, je suis prêt à partir. Toi, t'es déjà parti, j'ai vu dans la vidéo. Ouais, je suis déjà sur le bas-côté, je suis prêt à partir. Donc, du coup, on y va, c'est parti. Allez, let's go, on est parti. Bah, forcément, ma mise de frein à main, je me doutais bien, je l'avais anticipé. Voilà, donc là, moi, j'en suis où? Alors, je sais plus où c'est que je vais, mais c'est pas grave. J'y vais avec joie et bonne humeur en espérant remporter cette justement nouvelle compétition, énième compétition. Je sais pas combien on en est, enfin c'est la deuxième ou troisième que je pourrais perdre quoi. Hein. Troisième. Ah bah faut pas faire le zozo à faire des accidents comme la dernière fois là. Hein. J'ai vu la vidéo, c'était pas bien sérieux tout ça. Aïe, ouais, je sais plus pourquoi là. C'était le coup du péage là que je me suis rétamé aussi là, je sais pas quoi. Il y a un feu rouge et je sais pas quoi là. Ah bah t'as vu ces feux rouges qu'il y avait dans un rond-point, c'est ouais, nouveau, j'ai vu ça, j'étais mort de rire, j'ai dit bah merde alors. Non mais faut pas exagérer non plus quoi. Ah j'ai trouvé qu'il y en avait pas assez contre toi. C'est ça. Ça manquait de feux rouges. Bon allez, en tout cas, moi il me reste quoi, allez, un tout petit peu plus de 3 heures de route pour cette livraison. Alors, techniquement, hein, normalement, je ne finirai pas. On rappelle que l'objectif, c'est le garage. Et le garage, c'est 180 000 euros. Donc, voilà. Moi, sur cette cargaison, en tout cas, je n'arriverai pas à 180 000. Je crois que Marcus non plus, hein, d'après ce qu'on a... Ou non. Voilà, vu que c'est pas du brut, finalement. Hein, il va se faire avoir notre cher ami Marcus. Voilà. Tant mieux. C'est bon pour moi, ça. Et comme tu es un peu en avance, normalement, tu devrais finaliser un peu avant moi. Ah, logiquement, ouais, ouais, tout va dépendre. Tu vas livrer à Bayonne. Ouais, déjà, je vais éviter, tu vois, puis je suis déjà loin, donc il n'y a pas de risque. Alors, si je vais à Bayonne, je te dis pas la thune que je vais me faire, mais j'aurai pas le temps d'acheter le garage, ça c'est sûr. Voilà, il faut juste faire un petit calcul de ce que j'aurais besoin pour les 180 000. Voilà, donc ça veut dire aussi, ben,
choisir la bonne cargaison sur notre lieu des destinations, d'ailleurs qui est où, je ne sais plus. Je dis ça, donc je livre des bouchons de liège, hein, faire péter le, très bien, bouchon. C'est super, dis donc. Et je vais où? Destination Huelvas et Hololine. Bon, c'est au Portugal, hein, à mon avis. Bon, je sais pas, j'ai déjà eu l'envie d'y aller. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tenez la gauche. Allez, et du coup, je sais pas, toi, t'en es où, toi? À ton avis, je vais livrer ou... Ou en Suisse, ah oui, c'est vrai, il est toujours... Hein, le... Tu t'es fait naturaliser ou pas encore? Bien sûr que oui. Ah bah super, ah bah, du coup, je comprends pourquoi tu parles de hors-taxe et de brut, mais non, ah vu voilà, que t'es en Suisse. Non, non, mais il me propose rien d'autre que des... Je voulais retourner en Allemagne, et non, bah tant pis. Et ouais, puis alors, comme on est encore dans une phase, alors je vais pas dire de démarrage du jeu, mais du coup, c'est vrai que l'émission, il ne vous les propose qu'aux endroits, grosso modo, que vous avez visités, hein, sinon il ne te les propose pas. Hein. C'est ça. J'ai pas compris, enfin j'ai dit oui, mais en fait j'ai fait j'étais en train de regarder le temps de qui me restait avant de dormir, parce que le Zozo il baille là, il est en rouge. Ouais, je dis une émission qui te propose, c'est toujours des endroits que t'as visité, hein, vu qu'on n'a pas tout visité, donc sinon c'est pas accessible, hein, il me semble. Ah, le départ, oui. Je crois. Ouais. On dirait des novices qui découvrent le jeu. Ouais, ouais, ouais. mode panique, je sais pas. Oui, ouais. Oui, c'est possible. Oui, ouais, c'est possible. Ami, bien sûr, oui, bien salut, sûr. Merde, merde. Pourvu qu'il vérifie pas, merde, pourvu qu'il vérifie ouais, pas. Ça fait que 8 ans que je joue. quand on n'a pas. Ouais, c'est possible que quand on n'a jamais été dans une ville, il ne propose pas de départ de partir de cette ville. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, il faut d'abord aller à l'envie de la découverte pour qu'il puisse proposer en mode départ, ouais. Quand on n'a pas notre camion, oui, ça c'est sûr. Mm-hmm. Je pense qu'en mode quand on a le camion, c'est la même. Alors. Péage, non pas péage. Portugal, donc je vais au Portugal. C'est bien ce qu'il me semblait. Tu as livré du merlu encore? Ah non, des bouchons non, de liège. Des bouchons de liège, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis bête, tu l'as dit en plus. T'as vu, je t'écoute vachement bien. Hein, je vois bien, je vois bien. Des bouchons en liège. Parce que je suis concentré, c'est pour ça. Reste déconcentré. Je préférerais. T'as mis tes feux, c'est bon, pas de prime de feu. Ah bah oui, vu qu'on a démarré de nuit tout de suite, je n'ai pu le voir qu'ils étaient là. Hein. Nickel, parfait. On va faire le zozo, hein, c'est pas le moment. T'as pris de l'essence Non, j'en ai pas pris, mais je devrais avoir assez pour arriver ouais, à destination. Donc, pas en pas, ça va te faire des sous. Voilà, c'est toujours ça en moins de dépenser. Mais enfin, comme j'ai de toute façon un autre voyage à faire. Il va falloir que je mette un peu d'essence. On va avoir assez pour les deux quand même. Oh, bah de toute façon, l'essence, c'est pas ce qui va me ruiner, logiquement, mais bon. Ouais, normalement, non. Bon, en tout cas, on va finir de nuit, j'ai l'impression, hein, comme d'hab. Impeccable. Ça sera c'est pas normal. Mal. C'est super. Alors, qu'est-ce que tu fais là? T'as acheté une tondeuse? Bah, ils ont mis le parking de l'autre côté, l'essence de ce côté, je comprends ce qu'ils ont foutu là. Pas compris, donc je vais aller me garer là-bas. Je fais de la merde, là. Sans c'est interdit ou à ce moment. Tenez la gauche. Ça sent les embrouilles ton truc là, ça fait des petits dégâts. Même pas, tout va bien. Tenez la gauche.
Impeccable. Bah ouais, ils ont mis à mettre de l'essence d'un côté et le repos de l'autre côté de l'autoroute. Faut pas chercher à comprendre. C'est un peu n'importe quoi. Ah, je te jure, c'est suisse, hein, quand même. Allez, moi je suis à 1 heure de ma destination. Oh, bon, je suis à 2 heures, donc t'auras le temps de finir que je serai pas arrivé. Ah, peut-être, ouais. Oh, le temps d'acheter ton garage que je vais pas arriver, Bah, mon gars. tout dépend s'il me propose la cargaison du siècle comme la dernière fois. Bon, t'as peut-être pas besoin d'une cargaison du siècle. Si te manque 2-3 000 euros, tu fais un truc rapide, puis hop, on n'en parle plus. Ah bah oui, sauf qu'il manquera un petit peu plus de 2000, 3000, et si j'ai des 2000 et 3000, ça va Ah. pas le faire. Pas bien alors. Bon après, il y a quand même plusieurs boîtes, je pense, dans cette ville, donc Ouais, dans la même ville, il va bien te proposer un on petit va truc. trouver. Bon, puis du coup, il va falloir qu'on réfléchisse peut-être pour la suite, hein, parce que là, du coup, on va terminer cette compète, donc je ne sais pas, il va falloir qu'on en relance une ou pas, il va falloir qu'on Tenez la réfléchisse gauche. à sur quel thème. J'ai réfléchi un petit peu pendant que je regardais la vidéo, on en a parlé. Je dis, ah oui, c'est vrai, punaise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est vrai que les employés, c'est peut-être pas Ah, c'est pas un super. truc que tu maîtrises en tout cas. Est-ce qu'on peut rester sur le garage parce qu'il va falloir payer 100 000 pour pouvoir le faire passer au niveau supérieur? Est-ce qu'on peut repartir Ah soit non, non, là-dessus? non, bah non. Et là, Je objectif dis la garage, droite, c'est agrandissement du puissance la garage, droite. je Oui, mais rappelle. après il y a l'agrandissement final après. Là, on a une place de garage, on va en avoir trois Sortez à normalement. droite. On pourra mettre deux employés. Ah, d'accord, Non, donc c'est pas ça? d'accord. Bah écoute, Je sais pas ce qu'on avait regardé. 180 000, c'est le passage au garage à trois camions. Bah Et écoute, 100 000, après, c'est le passage à prenez la 5. C'est pas deuxième. ça, non? D'accord, bah sûrement, je ne me souviens plus, je croyais que c'était Tenez à la droite. 180 000 qu'on avait le garage complet, mais oui, C'est vrai t'es que tu viens de sûrement démarrer le raison. jeu, c'est pas facile. Ouais, je sais, je découvre. Sortez maintenant. J'espère que je dis pas de conneries parce que Ouais, sinon c'est bon, de toute vraiment. façon, on va vite le Ah, il me semble que savoir. c'est ça, mais je suis pas sûr. On vérifiera, bah, c'est cool. Tournez à gauche. Ou alors, je sais pas, acheter une remorque de chaque type ou transporter un truc de chaque type, je sais pas. Je sais pas, Tu on va vois? rader, on va rader en tout cas. Allez, je suis à où elle va, moi en tout cas, 13 minutes de ma destination. Ouh, ça sent la coupe, ça sent la coupe. Sans la victoire, ça, ouais, parce que là je suis pas arrivé encore, moi, mon pauvre. Et ouais, j'ai pas fond de pensée, ouais. Je pensais que quand j'avais 8 000 de revenus, ils me rajoutaient les lignes d'euros et de machin. Du coup, j'ai privilégié tout ce qui était avec des fragiles pour faire plus de sous après. Mais non, les lignes étaient déjà calculées, j'ai Ouais, pas c'était réfléchi, j'ai pas déjà pensé à ça. calculé. Bon, après, t'as fait plus de sous quand Et même. bah, c'est pas grave, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Tenez la gauche. Moi, j'arrive dans 1 heure. En tout cas, je suis pas encore là. Niveau essence, normalement, je devrais avoir assez pour celle-là et la suivante. S'il y a une suivante. Alors, moi, il y aura une suivante, ça c'est sûr. Bon point. Oui, Prenez moi la aussi, hein. deuxième C'est s'il y a sortie. une suivante, si toi, tu finis pas celle-là et puis que tu en prends pas une rapide, puis t'as fini quoi. Après, il y a 1 heure d'écart, donc à mon Sortez avis, maintenant. tu auras peut-être le temps de le prendre avant que je finisse l'autre, parce que ça dépend s'il va falloir que j'aille. Ouais, mais bah, après, toujours pareil, je serai en course pendant que tu finiras. Je pense que tu vas finir un peu devant. Si tu fais pas le zozo, J'essaye. si tu vois marqué Bayonne, tu n'y vas pas. Là, je suis super loin. Hein. Si je vois Tenez Bayonne, la je droite, sacre. Hein. puis sortez à droite. Sortez à droite. Après, il y a du monde là où je suis. Ah ouais, moi y a personne, c'est tranquille. À part des voitures de police, y a rien d'autre.
point, prenez la deuxième sortie. Tenez la droite. Sortez maintenant. Allez, une minute pour la livraison. 14 minutes. Putain, t'as récupéré, tu dis, je suis coincé en vide, il roule pas. Préparez-vous. Ah ouais, tant mieux, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Oh putain, c'est pas possible ça. Moi j'ai une bagnole qui s'est mise devant et qui roule doucement, bien sûr, c'est normal. Et voilà, accident, bien sûr. Il a freiné comme un gros débile pour laisser rentrer un camion qui était sur la troisième voie, donc il a freiné. Vous êtes arrivé. Et accident, 8% de dégâts, mais pas de sous de retirer. Ouf. Ah, il considère que c'est pas moi qui ai créé l'accident, ce qui est vrai en plus. Tu vas pas me refaire le coup de Bayonne où t'étais bloqué pendant 3 plombes. Non, non, c'est bon, là je suis en train de décharger. Non, bon, ça va. Bon. Qu'est-ce qui se... Pourquoi il me décharge pas? Ah. T'es pas au bon endroit. Si, si, non, je sais pas pourquoi, ça a bugué. Allez, impec. Donc, mon pognon il est où? Ok. Off. Dans la popoche. Dans la popoche. Donc je suis à ça, donc il me faut ça. Qu'est-ce qu'on va prendre comme truc? Allez, on va mettre un point ici. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Ouais. Tac. C'est parti. Il est temps de prendre la route. Allez, on reprend nouvelle cargaison. C'est reparti, mon kiki. Allons-y. Je coupe tout là, je suis un gueudin moi. Ouais. Je coupe l'herbe, tout. Kalia vient de nous mettre tourne un camion la sur la file pour tourner à gauche qui tourne à droite. Hein. Bravo l'IA. Qu'il continue cette IA, je l'aime. Préparez-vous à tourner à gauche. Surtout pour les autres. Ouais, c'est mieux là. Tournez à gauche. Bon allez, je suis reparti. 2h53 de trajet. 3h de trajet. Ah mais t'as déjà livré toi? Ah je viens de livrer, je suis déjà reparti. Hein. Oh merde, j'ai pas vu, dis donc. Ah bah oui, bah t'as pas... Oh, hein, moi non plus j'ai pas vu là. Oh, hein, ouh, bon. Putain, je vais me faire griller là. Ah bah si tu fais le zozo, oui, il y a des chances. Hein, là, je fais pas là, le zozo, là, pourtant. Là, je suis reparti, j'ai 3 heures, un peu moins de 3 heures maintenant. 3 heures. La première sortie. Et je vais livrer. J'ai pris la cargaison qui est avec les sous. J'avais calculé avant, j'ai calculé l'argent que je gagnais, l'argent que j'avais. Et j'ai dit, faut que je prenne un truc à 3005. Elle n'a pas proposé dans l'entreprise. J'avais un truc à 4006, j'ai pris ça. Ça, j'ai 1000 dollars d'avance si je fais une petite erreur.
1000 euros d'avance, ça va, ça le fait. Ben dis donc, moi j'avais besoin de 5000. Alors moi c'est... Mais tu vois, t'as besoin de 5000, mais tu livres un peu avant encore. Hein. Ouais, mais t'as récupéré du temps. Putain, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va jouer. Ah ben, ça va être chaud, il va falloir que tu te... Voilà. Ouais, il va falloir prendre des risques maintenant. Ah bah oui, là, faut tout couper, là. C'est ce que j'ai fait, moi. Je suis passé au travers de l'herbe, hop, j'ai tout coupé. Tenez la droite. S'il y a une voiture de police qui me double, j'accélère à fond. Je colloque. Il me verra pas dans son rétro. Parce que les primes de police, c'est quand même ce qui fait le plus mal au cul. Ah bah c'est sûr, hein. Ah ouais, c'est pas. Donc je sais pas comment. J'ai pas pensé à regarder comment ça faisait. À 6 de d'écart, je suis à 84 pour 90 là. Et si je pouvais me permettre de. Ouais, de perdre la thune, quoi. Un écart ou pas avec l'avance que j'aurais sur la livraison. Tenez la droite. Le problème, c'est que je vais livrer en France et. Je pense qu'il va. Il va me manquer un peu de temps. Je vais t'arrêter à la frontière. Enfin bref, ça va être le bordel. Allez, passe au vert, passe au vert. Donc je pense que ça sera bon pour toi. Alors, on va voir. C'est combien les feux? Putain, c'est 300, c'est ça? Là, je suis au poste frontalier là. Zut. Il y a des camions de tous les côtés. On va rouler à 30, c'est génial. Écoute, je suis à 26 moi pour l'instant. Pour savoir alors. 25. 24. Ça grimpe un peu. Ah, on se repose. Petit café. Non, on coupe tout là. C'est faire chier à faire des tours. Ah d'accord. Oui, prends le poteau. Ah, ça va être chaud là. Tu cherches la bagarre là. Je suis un fou, moi, je suis un dingue. Ah, je vois bien que t'es en train de faire un peu n'importe quoi. Merde, putain, j'ai failli faire pareil. En fout, tant que ça me fait pas des sous en moins. Putain, mais quelle stratégie, devant, je passe devant, je passe devant, je fonce. Est-ce combien? Une heure combien? Penché avec leur je suis en train de... Pas trop, je suis en train de manœuvrer là. 1h30, 40, 36. Oh là là, putain, je vais me faire griller, c'est pas possible, je suis à 2h08 moi. Et il y a la pluie, mais c'est bon, j'ai l'autoroute, c'est reparti à fond, on est à fond. Allez, je capte mat pied au plancher. On essaye, on essaye. Ah, tu me la perds pas celle-là, hein. Sinon ça va pas faire. Hein. Bah ouais. Enfin, je pense que je vais pas la gagner encore une fois, à mon avis, parce que tu seras sur place bien avant moi, a priori. Tenez la gauche. Tant qu'en France, j'ai des péages. Je sais pas que tu n'as pas pensé à ça. Ah, peut-être. Mais je peux rouler à 90. Alors, moi aussi, mais j'ai du mal à y arriver.
comme une cargaison de 20 tonnes. Je ne sais même pas ce que je transporte, j'ai pris le premier truc. Ah bah moi 4 non plus. 500 balles, j'y allais hop. Je sais que j'allais à Strasbourg, mais. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Transporte des pommes, 18 tonnes. Allez, on va prendre tous les risques. Allez, il me reste 100 km à faire. Il me reste 60 bornes à faire. Ah, puis je pense que ça. À pression, tu veux Capmat. Ah non, mais de toute façon, je pense que c'est cuit. Moi, j'ai des travaux, un accident, hein, ça va être le bordel. Oh, excès de vitesse, c'est pas grave, tant pis. Ouais, il y a des travaux, c'est la merde. Je ralentis, je m'arrête. Je repars. Alors, je repars pas vite. Moi aussi j'ai l'appui maintenant. Et donc c'est pas cool là, ça glisse. Allez, moi je vais à Séville, là j'arrive à Séville, bon j'ai encore 45 minutes de route. Merde, je me suis trompé de sortie, c'était pas celle-là. Je rallonge un peu mon trajet, je suis planté de sortie, putain. Ouais. Ah, il m'enlève la pluie, faut que j'enlève les machins là. Ah, moi aussi j'ai plus de pluie. Tenez la gauche. Ah, c'est tendu, c'est tendu! Ah, ouais, je me suis planté de sortie, putain, ça m'a rallongé là. T'as bien fait? Je sais pas si j'ai bien fait. Hein. Bon, je crois bien loin, mais bon. Enfin, t'as quand même de la marge en termes de temps, hein. Putain, mais moi, c'est de l'autre côté. Oh. Je peux pas traverser, là. Je peux pas passer par-dessus les barrières. Merde.
Tenez la droite, puis sortez à droite. Et j'ai tous les feux verts, c'est pas formidable ça ? Ouais, non, c'est vraiment pas formidable. Tournez allez, à gauche. Allez. Hop, tant pis, allez, on prend des risques. Tournez à gauche. Tenez la droite. C'est bientôt livré là ? Bientôt, ouais. Sortez à droite. Ça devrait être bon alors. J'espère. Tournez à droite, puis tenez la droite. Si je me plante tenez pas. Tenez la droite, puis sortez à droite. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Ce fut une belle balade. T'as livré ? Je suis en train. Parfait. Oh putain, arrivez-vous, entreprise. Eh voilà, alléluia, j'ai le garage. Les amis, bravo, le bravo. Voilà, regardez, il est beau, il défile vers vous, j'ai gagné à 30 secondes près. Ouais, même pas, parce que là, j'ai mes sous que je l'achetais. Eh oui, putain. Oh putain, que j'ai du bol. Heureusement que tu t'es planté au dernier moment. Hein. Heureusement. Alors, je vais te dire, par contre, je vais laisser l'intro, enfin, la cinématique, on s'en fout un petit peu, on la connaît. tu sais combien il reste sur mon compte ? Il reste grand chose. 411 euros. Heureusement que t'as pas pris d'amende. Hein, si, j'en ai pris une, en plus, j'ai pris un excès de vitesse. J'ai pris un excès de vitesse à 400. Donc j'avais pas trop de marge là-dessus. Voilà. Donc, ah, vous me sentez temps. Avec le sourire pour une fois, c'est la première compète que je gagne. Enfin. Ça a été laborieux. Mais l'essentiel est là, la victoire m'a souri, enfin. J'ai battu Marcus, enfin. Bravo. Bon, alors, et du coup, toi, t'as à combien ? 180 994. Bon, de toute façon, tu vas acheter le garage, hein, de toute manière, hein, qu'on soit à peu près... à égalité, hein, ça sera la même chose. J'achète ? Ouais, achète, comme ça on repartira à peu près toujours du même taf, on verra, on va voir. Voilà, donc agrandissement, hop, si hop, amélioration, en bas, amélioration. Et voilà, donc effectivement, on est passé à 3 emplacements, tu avais bien raison. En fait, tu l'avais pas acheté quand t'as dit top. Ah si, pourquoi ? Ah bon, ça va, je préfère. Sinon, ah si. Ah si, bah, tu pourras contrôler avec la vidéo, hein, bien entendu. Ouais. Je contrôlerai pas, ça. Je l'avais bien mis, effectivement. Donc c'est bien ça, c'est bien 3 bazar. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je regarde, profit journalier moyen. Et pour l'améliorer, c'est 100 000, je crois. Alors après, il faut voir. Ouais, ce sera 100 000 après. Ce sera 100 000. Je voulais juste vérifier. Et les garages qu'on achètera, ça sera pareil. Ça sera 180 000 pour 3 places et 100 000. On passera pas par le premier palier. Là. Il n'y a plus de premier palier. Là. D'accord. Ouais. Alors, attends. Service banque. Alors, solde remboursé 47 000. Combien il te reste à rembourser en termes de prêt ? Bonne question. Ils ont foutu la banque où déjà ? Ici, là. Service.
47-142. Et ben voilà. Et ben écoute, j'ai exactement le même montant. Ce qui est normal. Du coup, ça, 2 sur 35. Ça me fait penser à un petit truc très 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 simple qui pourrait être notre prochaine compétition. Je pense qu'on va peut-être l'entériner comme ça, on va voir. Qui sera tout simplement celui qui va rembourser le premier. Oui. Puisqu'on a le même montant. Est-ce que on peut rembourser par anticipation? Bien entendu, tu peux rembourser. Voilà, il suffit que tu cliques dessus. Alors, bonne question. Alors, tu peux pas cliquer dessus parce qu'on n'a pas la thune, en tout cas. Donc, c'est normal. C'est où? Ça serait où? Et ben, en fait, ici, quand tu as la thune, tu peux cliquer sur le prêt et rembourser normalement par anticipation. D'accord. Logiquement, c'est ça. Donc du coup, ça veut dire qu'on n'a que 47 000 à aller chercher. Ça veut dire qu'en un ou deux, bah, peut-être trois épisodes, ça peut se faire. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, très bien, parfait. On fait comme ça, allez. Bon, allez, on va partir là-dessus. Alors moi, ce que je te propose... Il te reste combien sur ton compte? 994. Alors, ce que je propose, peut-être à nouveau, pour vraiment repartir à peu près, du moment là, voyage rapide. Est-ce que je pense que le voyage rapide ne va pas être possible, et puis il va coûter de la thune, donc c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut se rapatrier à notre garage justement? Oui, ça va nous coûter de la thune, mais on peut. Alors le problème c'est qu'on l'a pas. Et pas assez d'argent, moi je peux pas y aller. Donc c'est réglé. Moi je peux y aller. Toi tu peux y aller, bon bah tant pis. Voilà, je voulais repartir peut-être du garage, mais moi je peux pas y aller. Donc, ouais, c'est pas bien grave. C'est pas très grave. On va dire qu'on va repartir de l'endroit où on est. T'es à Cordoue toi? Je suis où? Cordoue. Ah, le mec il sait déjà mieux que moi où je suis. En même temps, c'est sur la carte. Cordoue. Ouais, puis... alors en fait ça dépend de Séville plutôt là où je suis moi. D'accord. C'est plutôt okay. Séville. Plus proche de Cordoue que de Séville. Okay. Voilà. Donc du coup, bah voilà, ça c'est pas mal ce qu'on va faire. Ouais, je pense qu'on va en tiriner cette petite compétition là-dessus, sur le remboursement du prêt, ça me paraît pas mal. Ouais, pas bête du coup, chacun ouais. Choisit ses cargaisons, comme d'habitude. On se débrouille comme d'hab, on livre au plus vite, et le premier qui rembourse ses 50 000 balles, il a... Et bah voilà, on a 47 000 à trouver pour rembourser. Comme ça, déjà, bah, on n'aura plus de dettes, ça c'est important. Ah. Ça c'est très important. Très important. Voilà, il se peut même que moi je passe dans le négatif, hein, puisque j'ai 411 euros, ce qui veut dire que si je me prends quelques amendes, mon compte va être en solde négatif. Hein. Attends, plus être possible. Avant, hein. C'est pas sympa, hein. Parce qu'on rappelle que cette somme de 47 000, elle va aussi évoluer, les amis, bien entendu, puisqu'il va y avoir les échéances. Donc généralement c'est vers les midi, ça veut dire que là on est le dimanche, on va nous piquer l'argent, c'est-à-dire que moi je n'ai même pas de quoi payer l'échéance, hein. faut bien quand même le dire, toi non plus d'ailleurs. Marco non plus. Voilà, ce qui va diminuer aussi la somme qu'on devra rembourser si les échéances sont honorées, hein, puisque c'est une fois par jour normalement de mémoire. Bon allez, que rajouter de plus? Bah rien d'autre, voilà pour ce dernier épisode de l'objectif garage avec une victoire haut la main, c'est-à-dire que je l'ai écrasé, mais comme c'est humilié, jamais moi, humilié carrément, hein, le Marcus cette fois. après j'ai pris des risques, hein, parce que, j'ai fait des excès de vitesse, j'ai roulé un petit peu vite, j'avais peur de me renverser aussi dans les ronds-points, des moments je me suis dit... Pareil, hein, moi j'étais à 90 pour 80 à un moment donné, j'ai dit il faut y aller là. Ah il faut y aller. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas, le petit pouce bleu si vous aimez, si vous avez aimé cette compétition avec enfin ma victoire. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec Marcus. Puis, bah voilà, on va essayer de rembourser nos dettes, hein, quand même, parce que c'est quand même pas bien d'avoir des dettes. Donc, ce sera le premier qui remboursera. Donc, du coup, alors, attends, t'as gagné deux fois, c'est ça, ou trois fois? Deux. Deux fois et moi une fois, donc pour l'instant, on est à 2-1. Voilà. C'est ça. Voilà, j'ai quand même je suis revenu, je vais essayer de recoller pour faire une égalité à 2-2. Bon, en tout cas, oui. Merci Marcus, puis surtout merci à toi de t'être planté à la fin. Merci pour la je pense que c'est peut-être ça qui me sauve, hein. C'est ça qui me sauve. C'est comme ça, c'est le jeu, hein. T'as bien pris une cargaison à 2000 balles à un moment donné. Ouais, alors tu sais que les premières qui me proposaient, j'ai cherché dans d'autres boîtes, c'était ça. Il n'y en a pas une qui dépassait les 5000, j'étais obligé de prendre celle de 5000 qui était un peu plus loin. Hein. Mais bon, ouais, moi j'en avais une à 2002, donc j'ai pas pris. J'en avais une
à 4005, j'ai pris ça là, je vais foncer et puis voilà. Bon allez, on vous laisse là-dessus en tout cas les amis, passez une bonne semaine, on se retrouve semaine prochaine et puis n'oubliez pas, vous avez les autres vidéos, les lives aussi sur Twitch et puis bye bye. Salut Marcus, merci à toi. Merci pour l'invitation, bonne semaine à tous, à la semaine prochaine pour la finale. Bye bye. Enfin, la finale, la quatrième.